Salut tout, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Kingdom Come Deliverance. On est avec Jeanne. Non, pas du tout, pas Jeanne. On est avec Thérèse. Je me trompe dans les prénoms. Et on va voir Jeanne. Qui. Hop. En théorie, devrait être. En bas par là. Je ne suis pas sûr d'être sorti du bon côté. C'est pas grave. Si je vais longtemps à droite, je devrais m'y retrouver. Ça me perturbe parce que Thérèse court avec les bras plus allongés sur le côté. Oh! Mais j'ai pas d'arc. As, attendez. Il y a un nid. Ah, je le voyais là-haut. Pas facile à atteindre. Mince. Faut pas que je perde trop de flèches non plus. Nickel. Magnan. Bon toutou. Oh, c'est un beau toutou, ça. C'est un beau toutou, ça. On va arranger cet arc. Elle est terriblement douée, Thérèse, à l'arc. Je m'y attendais pas. Personnage, combat, arc, niveau 3. Elle tremble pas du tout. Ou alors c'est l'arc, c'est super bien, peut-être, mais... Le jeune, sa portée est réduite, mais il n'est pas... Et il n'est pas très puissant, mais n'importe qui saurait s'en servir. Attention, Denny. Donc pour rappel, on est dans le récit que Thérèse a commencé à faire à Henri. Et je n'ai encore aucune idée de comment on va revenir dans le corps d'Henri. Que Dieu te protège. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Jeanne? Je te cherche depuis un moment. Nous devons parler de quelque chose, toi et moi. Est-ce que tu comptes aller au bal ce soir? J'aimerais y jeter un coup d'œil, si j'ai le temps. Pourquoi? Tu veux emprunter ma robe? Non, non. Rien de ce genre. J'en ai déjà une, mais je ne veux pas danser toute seule, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je te trouve un partenaire? Non, pas exactement. J'ai déjà choisi le mien. Laisse-moi deviner. Mathias? Bah oui, qui d'autre? Mais alors, quel est le problème? Va donc le lui dire. Tu avais déjà jeté ton dévolu sur lui au Festival des Moissons. Il t'a sans doute remarqué depuis le temps, non? Pas du tout. Je ne sais plus quoi faire. Et si tu allais le voir pour l'inviter à Brûle-Pourpoint? Tu veux rire? Et si je l'intéresse pas? Et s'il préfère aller avec... Non, il n'en est pas question. C'est un risque, mais bon... Ainsi donc, tu aimerais que Mathias t'invite au bal, mais tu ne veux pas le lui dire. C'est bien ça. Et comment tu comptes t'y prendre alors? Facile. Tu vas voler son déporte-bonheur. Pardon? What? Mais bon Dieu, en quoi ça pourrait t'aider ça? Si tu peux mettre la main dessus sans qu'il ne le remarque, il fouillera la ville tout entière pour le retrouver. Il ira d'un coin à l'autre en se demandant « Bon sang, où est-ce que j'ai mis ce fichu dé ?» Et c'est là que j'interviendrai. Que Dieu te garde, Mathias. Tu n'aurais pas perdu ton dé par hasard. Et il répondra... Si, Jeanne, je l'ai perdu. Où est-ce que tu l'as trouvé, parbleu? Oh, il était près de la taverne. Oh, il était près de la taverne. Au fait, tu sais qu'il y a un bal là-bas ce soir? Et là, il comprendra enfin ce qu'il doit faire. Oui, oh, Jeanne. Le bal. Je vais t'inviter. Jeanne, me ferais-tu l'honneur de m'y accompagner? Bien sûr. Rien ne me ferait plus plaisir, Mathias. Merci. Ensuite, il me prendra la main
et me regardera droit dans... Oublie ce dernier détail. Enfin, voilà en quoi ça m'aiderait. Plus ou moins. Tu as imaginé une bien belle histoire, ça ne fait aucun doute. Mais penses-tu vraiment que ça va marcher? J'en suis absolument certaine. Oh oh! Bon, très bien. Je vais t'aider. Merci, Tess. Apporte-moi le dé dès que possible, s'il te plaît. Attends une minute. Comment je suis censée le trouver, ce dé? Hier, à la taverne, je l'ai entendu dire qu'il le garde dans son coffre quand il ne joue pas. Va d'abord voir Fritz. Il paraît qu'il a toujours quelques crochets. Dieu sait ce qu'il en fait. Bref, il peut certainement t'apprendre à t'en servir. Hein? Tu veux que je crochète une serrure? Moi? Et tu ne penses pas que tu vas un peu loin, Jeanne? Eh bien, dans ce cas, peut-être que tu peux trouver un moyen de récupérer la clé. Mais quoi qu'il arrive, ne te laisse pas prendre. Et pour l'amour du ciel, pas un mot à Mathias. Ah, ça va bien être compliqué, cette histoire, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on va avoir... Toutes les activités avec Thérèse aussi. Faut que je retrouve Bianca près du pont. Ah, et Mathias habite juste à côté. Bon, on va traverser le pont pour aller voir Fritz. Je suis l'entremetteuse. Je garantis rien, par contre. Mathieu. Bonté divine, que vous est-il arrivé? On vous a volé vos beaux atours? Ah, vous trouvez? Comment ça va, Mathieu? Thérèse? On ne voit pas souvent par ici. T'es venu admirer la 8e merveille du monde, c'est ça? Mais oui, alors c'est quoi? Fritz, qui travaille? Ah, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Tu peux parler? Tu n'as pas l'air débordé, toi non plus. Pourquoi trop en faire? Jésus était charpentier, lui aussi. Mais combien de poutres tu crois qu'il a fabriqué? Hein? Mathieu, tu blasphèmes! Ça va, c'est juste une plaisanterie. Me lance pas ce regard, ça me rappelle la tête que le curé a faite quand Kounesh a vomi son déjeuner sur les bancs de l'église. Oh, m'en parle pas. Bon, il va falloir que j'y aille. J'ai du travail, tu vois? N'en fais pas trop, hein, surtout. Quelle bande de fainéants, c'est de là. C'est à Fritz, en fait, qu'il fallait que je demande quelque chose. Quoi de neuf, Fritz? Rien de particulier. Eh si, il y a un bal ce soir. Tu y seras? Peut-être bien, si j'ai fini mon travail. Ils disent qu'on va faire la fête toute la nuit. Et il y aura du cochon rôti. Tu peux pas manquer ça. À ce qu'il paraît. Je me demande comment ça se fait que le seigneur Hadzig l'ait autorisé. Ce n'était pas l'idée de sa seigneurie. C'était celle de Maître Fefar. Maître Tobias? Mais pourquoi donc? Je sais pas. Il voulait peut-être étaler sa fortune. Je danserais et je mangerais du cochon rôti tous les soirs si j'avais autant d'argent que lui. Écoute, Fritz. On m'a dit que tu savais t'y prendre pour ouvrir une serrure, sans la clé. Sans évidemment, la clé. Suffit de foncer dans la porte, l'épaule bien devant. Je ne veux pas casser de pain, je veux crocheter une serrure. Ah, dans ce cas, c'est un crochet qu'il te faut. Chut, oui, mais doucement. Je peux t'en donner quelques-uns, mais tu connais le dicton. Même les cochons se font payer pour grouiner. C'est le dicton le plus stupide que j'ai jamais entendu. Qui dit des choses pareilles? Surtout moi. Et tout le monde dit que c'est un trait de génie, alors fous-moi la paix. Allô? Il me faut quelques crochets. Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que j'ai qui a de la valeur? Mon écharpe? Une de mes robes. Combien ça coûte un crochet? Ça coûte 13. Si je suis raisonnable, je devrais pouvoir. J'ai une potion de Lazare, je pourrais vendre la potion de Lazare. Que à coup de fromage. De morceaux de viande. Ah mais j'ai des sous aussi. Ah bah j'ai des sous, j'ai même pas fait attention. Ops.
Ça va me coûter des sous d'apprendre à crocheter, donc on va supposer qu'on s'est déjà crocheté ou que ça va pas marcher. Ça se trouve, ça va pas me coûter grand chose. Combien de sous j'ai? Je vois 0. Ah, j'ai 152. Ah, donc je peux peut-être demander. Une petite formation. Et Fritz travaille et Mathieu fait rien. Tu veux bien m'apprendre à crocheter une serrure? Absolument. Contre une poignée de grands chênes. Alors j'ai pas négociation donc. C'est un putain de jeu d'enfant, sauf si t'as deux mains gauches. Écoute bien, il faut trouver l'endroit où le mécanisme résiste et appuyer dessus. Et après seulement, on peut tourner. Mais attention, il faut y aller doucement. Pas de gestes brusques. Un peu comme quand on veut caresser une fille entre les... J'ai compris, merci. Toujours aussi délicat. Alors, c'est Mathias. Que Dieu vous accompagne, Thérèse. Merci. Je n'ai pas le droit de rentrer chez toi, comme je m'en doutais. Ah, ça va être bien compliqué. Ah, ils sont là, mes gros chênes, 133. Sachant qu'il n'y a qu'une porte pour rentrer chez lui. Je peux attendre qu'il dorme potentiellement. Permettre de piquer un peu de quoi manger. Ah, c'est mon chien qui bouge. Là, j'ai pris. Ok, je pense qu'on est bon. Ah, sauf qu'il guette sa porte. Donc on va pas s'en sortir facilement avec Mathias. Le bal c'est ce soir ou... Bla bla bla... Retournez voir votre père. Herbes fraîches ou séchées, elles apaisent toutes les douleurs. Je pense que je vais jamais m'en sortir tant qu'il est debout. Donc il me reste une autre option. Retourner chez moi. Parler à mon père. Après on peut aller voir Bianca aussi. Visiblement, c'est mes copines. Au moins, moi, je sais lire et écrire et je peux penser par moi-même. Et à quoi ça te sert? Érudit et palefrenier qui se... crêpe les chignons. Cette mauviette prétend qu'étudier est aussi difficile que de travailler dans les écuries. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Étudier est évidemment bien plus difficile que d'enlever du crottin. Voilà ce qu'il raconte. C'est clair comme de l'eau de roche. Un instant. Qu'est-ce qui est clair comme de l'eau de roche? Qu'étudier est aussi difficile que d'enlever le crottin des écuries, voire même plus dur. Un homme qui fait rien de ses 10 doigts est un bon à rien. J'ai pas raison. J'aimerais vous poser quelques questions avant de répondre. Vous êtes un érudit? Que faites-vous, Ascalis? Je suis en route pour la Sasso avec des lettres. Cet ingrat que vous voyez là s'occupe de mon cheval avant que je poursuive mon voyage.
Qu'implique votre travail, étudiant ? Je ne suis pas un étudiant, mais un bachelier qui a terminé le trivium de la faculté des arts libéraux à l'université de Prague. J'étudie la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Tandis que ce gredin serait bien incapable de même apprendre le latin. Mon père a fait en sorte que je sois professeur à Gutenberg pour 2 ans, avant de retourner à l'université pour suivre le quadrivium. Enseigner et suivre un enseignement. Voilà un vrai travail. Vous servez le seigneur Radzig au château, n'est-ce pas, maître Palefrenier ? Oui. Et le seigneur Radzig est très satisfait de mon travail. Je suis fier de ce que je fais et je gagne bien ma vie. Mes enfants sont bien nourris et ma femme peut s'acheter de belles étoffes de temps en temps. Je suis satisfait de mon sort. Combien de gens peuvent en dire autant ? Eh bien, pas tant que ça. En quoi votre travail est-il difficile, maître Palefrenier ? C'est un véritable travail, contrairement à ce que fait ce parasite. Je suis debout de l'aube au crépuscule. Je nourris, je nettoie, je pense. Le soir, je tombe de fatigue. Je fais quelque chose de concret, quelque chose qui a du sens. Les chevaux sont nécessaires pour travailler et pour que les seigneurs se déplacent, même en temps de guerre. Et quelqu'un doit prendre soin des chevaux. Ce minable n'est bon qu'à critiquer, mais il serait incapable d'avoir un vrai travail. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous avez raison tous les deux, mais aucun de vous n'a de bon sens. Un travail reste un travail, qu'on le fasse avec les mains ou avec le cœur. C'est une rhétorique digne de Socrate qui sort tout droit de la bouche d'une femme. Je vous salue, jeune demoiselle. Vous pourriez apprendre des choses au professeur de Prague. Vous êtes en train de dire que ce bon à rien qui doit supplier pour qu'on lui serve une bière à la taverne est mon égal ? Au diable, inutile de discuter. Que Dieu te protège, Thérèse. Ah, bon, on est vexé, hein. Et l'autre était satisfait. C'était un risque, je voulais mettre les deux d'accord, mais... Bon, j'imagine qu'il n'y a pas d'impact, ça m'a juste fait un peu discuter. Bon, de toute façon, je vais les revoir et il y en a un qui m'aimera moins dans une quête et il y en a un qui m'aimera moins que l'autre. L'argent du roi est passible de la peine capitale. Tu iras sur le bûcher pour ça. Pourquoi vous insistez ? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Je me tue à vous le répéter. Je ne sais rien de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Retournez voir votre père. Parlez avec personne. Parlez au maître des monnaies. Oh, qu'est-ce qui a fait tomber des pommes ? Je me permets de me servir. Oh, il y a tout plein de morceaux de viande. Je vais en laisser un, je sais pas quand est-ce que j'aurai besoin de la suite. Eh bien, si je ne peux pas parler avec mon père tout de suite, je vais continuer à faire le tour jusqu'à arriver à Bianca, le long de la rivière. Quand même plus rapide avec un cheval. Eh bien, tu fatigues moins vite que moi, Magnan. Alors, il y a des gens. Ah, je peux prendre sans voler, très bien. Je vais
pas manquer de quoi manger. Ah, voilà Bianca. Je te souhaite bonne santé, Thérèse. J'ai l'arc. Nous pouvons y aller. Parfait. Viens avec moi. Je cours plus vite qu'elle. Ah, il faut passer là ? Oui, mais alors... je pense qu'il fallait passer sur le pont. Ah, dites-moi qu'elle est capable de faire le saut. Hey. Bon sang. Oh là là. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, c'est aussi une des premières fois que je fais une quête de DLC, mais... Bah, je vois bien qu'elle est coincée, mais elle a pas elle a décidé de ne pas prendre le pont. Ce qui était à mon avis assez stupide, mais... Alors, comment on va s'en sortir? Oh yes, elle cherche un autre chemin. Elle rentre chez elle? Yes, elle a fait demi-tour, très bien. Oui, je suis là. C'est ça, prenons le chemin plutôt. Tu ne fais pas encore des tiennes, hein, tu suis le pont. Yeah, c'est bon. Ça c'est chouette, les IA capables de se décoincer toutes seules. L'idéal c'est qu'elles se coincent pas, mais à défaut... À droite ou à gauche? Ah, un nid. Hé, Thérèse, attends. Il y a un nid de pie quelque part sur cet arbre. La dernière fois que je suis passée ici, je l'ai vu y déposer quelque chose de brillant. Puisque tu as un arc, pourquoi ne pas essayer de faire tomber le nid en tirant dessus? Adam le fait tout le temps. Je le dis. Bien le bonjour, Thérèse. M'a fait venir ici pour un nid. J'ai jeté un œil dans le nid. Bah oui. Et qui as-tu découvert? Il y avait une bague dedans. On dirait de l'argent. Vraiment? Oh, grand Dieu! J'ai toujours voulu une bague en argent. Mais... c'est toi qui as fait tomber le nid. Allez, on va être gentil. Tu me la donnes? Tess, tu es la meilleure des amies. Merci. Je vais la porter au bal de ce soir. Bon, allons cueillir ces plantes avant qu'il ne se fasse tard. Où va-t-on? Ici? Très bien. Je me demande ce qui s'est passé ici. J'ai vu ça la dernière fois. Mais personne n'a rien signalé à Skellis. Tu penses qu'ils se sont éloignés de la route et que quelque chose les a dévorés? Peut-être... peut-être un loup? Je pensais que tu ne croyais pas à cette histoire de loup. C'est le cas. C'était le cas. Mieux vaut continuer. Allez. Je n'ai encore jamais vu de loup dans le jeu, donc j'ai un doute sur le fait qu'il y en ait vraiment un. Ça se trouve, il y a un loup exprès pour la quête, hein. Tournons dans les bois ici et allons un peu plus haut. Suis-moi. Puisse le Seigneur veiller sur toi, Thérèse. Oh, merci.
Ça, ça ressemble à un jardin dans la forêt. Qu'est-ce que tu voulais comme plante ? C'est un beau petit jardin, n'est-ce pas ? En effet. Je n'y ai jamais rencontré personne, mais il est toujours bien entretenu. Ah, c'est peut-être à quelqu'un. Sans doute par une sorcière. Qui d'autre s'occuperait d'un jardin dans les bois ? Dommage que cette sorcière ne fasse pas pousser de belladone. Tu as entendu ? Nous ferions mieux de continuer, d'accord ? C'est vrai qu'on dirait un loup. Ah, c'est des biches. On peut avoir un autre jardin dans les bois ? Je suis pas tout à fait sûr de... Attention, oh, il y a même des sangliers. J'envoie pas avec Henri et hop, j'envoie avec Thérèse. Quel dommage. Faut que j'ai un arc, hein, je pourrais chasser le sanglier, mais je sais pas bien ce que je ferais d'un sanglier. Hop, pardon. Je suis là. Je suis jamais très très loin. Hein. Quand je m'approche tôt, tu râles même. Nous y sommes presque. Nous longerons cette route. Je te suis. Ça, c'est de la belladone, c'est pas ça qu'elle voulait ? On y est. Je vais commencer à cueillir pendant que tu montes la garde. Je ne devrais pas t'aider à cueillir ? Non, je vais me débrouiller. Je préférerais que tu restes à l'affût du loup. Mais qu'est-ce que je dois faire si le loup arrive vraiment ? Tu as un arc, n'est-ce pas ? Ne réfléchis pas, tire-lui dessus. En plus, tu as Magnan. Même si... je ne suis pas sûre qu'il fasse le poids contre un loup. En effet. Tu en as pour longtemps ? Ce sera bref, ne t'en fais pas. Mais tant que j'y suis, j'aimerais en cueillir assez pour en avoir un bout de temps. Monte la garde, je te dirai quand j'aurai fini. Ok. D'accord, je vais monter la garde, mais fais vite. Vous voyez quelque chose ? Je vous demande ce qu'on... Allez ! C'est un loup, ça ? Attrape-le ! On dirait un chien, oui ? Magnan, aide-moi ! Bon chien ! Et c'est qui le plus beau ? C'est un beau toutou, ça. Tiens, t'as mérité regarde la nourriture. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Ah, je pourrais même lui faire manger de la viande de chien. Mais où est passée Thérèse ? Bianca ? Elle est plus proche du chemin. Le chemin qui est là-bas. Elle m'a faussé compagnie. Elle est carrément revenue aux maisons là. On avait rendez-vous ici. Là on a chopé un nid. Là il y a le jardin de la forêt. Bon, c'était un chien, son loup, mais... elle a couru vachement vite. Elle est habillée en rouge, a priori, ouais.
pensais que cette histoire de loup n'était qu'une rumeur. Une rumeur, en effet. Si j'avais été seule, cette bête m'aurait sûrement dévorée. Il t'est arrivé quelque chose ? Non, je vais bien. Dieu merci. C'est une bonne chose que tu sois venue avec moi. Tu as réussi à cueillir à cette plante ? Oui, heureusement. J'ai de quoi préparer mon alcool. Assez pour t'en donner, d'ailleurs. En récompense. D'accord, ah bah merci. Merci bien. C'était quand même un drôle de loup, tu ne trouves pas ? Je dirais que c'était un chien sauvage. Loup ou chien ? Quelle bête monstrueuse ! Henri ne va jamais le croire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais retourner travailler à la taverne. J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagnée, Tess. Et n'oublie pas de venir me voir demain. D'accord. Eh bien, une mission de fête, une... Il y a un lieu inexploré près du pont ? Ah, on a traversé à ce pont-là, normal. Il y avait vraiment une bestiole sauvage. Mais c'était un chien. Il y a quelqu'un qui a l'air d'attendre. Oh ! Le lieu inexploré, c'est un terrain de tir. Montée divine, que vous est-il arrivé ? Oh, je sais. Est-ce que quelqu'un ici veut... Sans nul doute. Je vais commencer par vous écouter. Vous allez devoir tirer. Vous, je connais une dernière chose. Ne partez pas. Compris. Je suis débutante. C'est pas grave. Ça vous fera... Excellent. Et moi, je... Je peux jouer débutant parce que j'ai pas énormément confiance dans les statistiques de Thérèse. Pour ne pas trop trembloter. Alors il va falloir que je passe un peu plus que 1 à chaque fois. Sinon on risque d'être juste. Mon arc il tire assez haut. On dirait pas comme ça. Ah, 1, 2. Encore 2. Oh mince, j'ai manqué. Il y en a un qui est trop nul et il y en a un qui a fait 11. Ah, crotte. La dernière flèche vient d'être tirée. C'est terminé. Est-ce que je peux rejouer ? Ah mince. Faut que j'attende la fin du concours. Est-ce que quelqu'un... Vous êtes... Je suis... Et moi je... Tâcher de récupérer nos sous. Si j'y arrive. Alors, il faut que je fasse à peu près 11. Potentiellement. Oh, c'est mal parti. Je tire un peu trop pour toucher la zone noire. Si je les mets tous en blanc, ça devrait aller. Aïe aïe aïe. Ça, ça sent mauvais. Ouais, je vais perdre. Ou alors ça va être ex-aequo. Mais il y a un des deux mineurs qui est bon. Ah, il m'a encore battu. Bon, tant pis. Oh, ça fume drôlement là-haut. Pourtant, il n'y a pas eu encore d'invasion. Oh, un petit chemin. Où va-t-il ?
voir si je peux terminer avec mon père cette fois-ci. Oh, joli cheval. Je suis allée chercher les clous, mais le forgeron est avec le seigneur Hadzig aujourd'hui. Très bien, on verra ça demain alors. Ce n'est pas urgent. Pour le moment, j'ai besoin que tu fasses vite quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Les gardes interrogent le voisinage. Ils disent que quelqu'un a volé du minerai d'argent dans les mines. Pourrais-tu aller avertir Stibor? Il est allé relever les pièges à poissons sous le pont. Pourquoi? Qu'est-ce que Stibor a à voir avec le minerai d'argent volé? Bon, écoute, va simplement lui dire, d'accord? Sainte mère de Dieu, vous et vos secrets. Très bien, je vais aller avertir Stibor. Alors, l'argent de la famille. Il est juste de l'autre côté de l'eau. Alors attendez. Moi j'habite là. Là je dois être là. Bah, c'est celui que j'ai vu fainéanter dans l'eau. Peut-être bien. Ah oui. J'étais juste trop loin. Papa m'a envoyé. Les gardes étaient sur place et enquêtaient sur le minerai d'argent disparu de la mine. Oh merde. Oh merde. Bon. Très bien. Tess, écoute. J'ai besoin de ton aide. Pas si vite. Dis-moi d'abord ce qu'il se passe. Très bien. Écoute, par où commencer? Crache le morceau, sinon tu seras tout seul. Très bien. Papa a trouvé une belle petite combine. C'est assez facile de faire discrètement sortir du minerai d'argent des mines et il a rencontré ce type qui proposait de lui acheter. Eh bien voilà, c'est arrivé comme ça. Nous avons le minerai d'argent qui a disparu. Dieu tout-puissant! Thérèse, j'ai besoin de ton aide. Bon, doux Jésus. D'accord. Vous ne pouviez pas comprendre ça quand vous êtes né. Mais la famille, c'est sacré. Merci, Tess. Je suis désolé de t'embarquer là-dedans, mais je n'y arriverai pas tout seul. Où l'as-tu caché? C'est tout le problème. Il est au fond d'une galerie inondée. Samuel y travaillait autrefois. Quoi? Tu as entraîné Samuel là-dedans? Non, non, Samuel ne sait rien. Alors pourquoi tu ne vas pas tout simplement le récupérer? Je ne sais pas comment y aller. Pour l'amour du ciel, Stibor! Tu sais où c'est ou pas? Oui, mais... Tu vois, ils m'ont arrêté quand je sortais. Je me tenais sur cette passerelle en bois et je l'ai lâché par-dessus le bord pour qu'il ne m'attrape pas avec. Et maintenant, je ne sais pas comment aller le récupérer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu le bruit de l'eau quand il est tombé. Et comment sommes-nous censés le récupérer? On va nager dans la mine? Non, j'ai une idée. Samuel connaît la zone et il saura comment atteindre la galerie. Oh non, Stibor, n'y pense même pas. Tu ne vas pas entraîner Samuel dans tes combines. Bon Dieu, non, tu me prends pour qui? Il n'aura qu'à simplement dessiner un plan, et nous ferons le reste. Ah, il est tard. On va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu, et à bientôt dans le suivant.